faut savoir, on a regardé les programmes. Le Front Populaire, c'est le programme qui se rapproche de nos convictions. La CGTR, c'est des convictions de gauche. C'est des idées de gauche. Et c'est le Front Populaire qui se rapproche de tout ça. Bien sûr, la CGTR et la CGT, on verra, bien sûr, demain, si le Front Populaire arrive au pouvoir, on verra qu'ils appliquent leur programme. Et on sera juste derrière eux. Et quand il faudra leur rappeler qu'ils doivent l'appliquer, on le fera. Ce qu'il faut savoir, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et le pouvoir d'achat des travailleurs baisse. Et ce n'est pas normal. Maintenant, la solution, les politiques, c'est à eux maintenant de faire le boulot, de trouver les recettes pour pouvoir augmenter les salaires. C'est une obligation. On doit augmenter les salaires. Le pouvoir d'achat baisse, tous les prix augmentent et c'est aussi dans ce sens que les gens aujourd'hui, leur vote vont vers, par exemple, le Rassemblement National. Mais c'est la mauvaise solution. La CGTR va continuer à essayer de convaincre la population qu'au deuxième tour, il faudra renverser la tendance. Quoi. Nous, on appelle à voter le Front Populaire. On a pris nos responsabilités parce que, justement, le Rassemblement National, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour les travailleurs. Et nous doit combattre tout ça. Il nous doit convaincre et nous va continuer à convaincre.